Thierry Lamiro, une voix pour les sans-voix. À travers l'objectif de sa caméra, Thierry Lamiro capture non seulement des images, mais aussi les histoires de communautés aux prises avec les conséquences dévastatrices des catastrophes industrielles. Son travail met en lumière les conséquences souvent ignorées de ces événements, donnant une voix à ceux que les puissantes forces qui perpétuent la destruction environnementale ont réduits au silence. Les films de Lamiro servent de rappel brutal du coût humain de la négligence industrielle, nous exhortant à affronter les vérités inconfortables qui se cachent sous la surface de notre monde industrialisé. Il nous met au défi de remettre en question le statu quo et d'exiger des comptes à ceux qui mettent en danger la santé de notre planète et de ses habitants. L'engagement de Lamiro envers la justice environnementale découle d'une profonde compréhension de l'interconnexion entre le bien-être humain et écologique. Il reconnaît que la recherche du profit se fait souvent au détriment des communautés et des écosystèmes vulnérables. Ces films exposent les manières insidieuses dont les catastrophes industrielles ont un impact disproportionné sur les populations marginalisées, exacerbant les inégalités existantes. En amplifiant les voix de ceux qui sont les plus touchés, Lamiro donne aux communautés les moyens de lutter pour leur droit à un environnement propre et sain. Son travail va au-delà de la simple documentation des problèmes. Il explore également des solutions potentielles et inspire l'action. Les films de Lamiro servent d'appel aux armes, exhortant les spectateurs à devenir des participants actifs dans la lutte pour la justice environnementale. Il croit qu'à travers l'action collective, nous pouvons tenir les entreprises et les gouvernements responsables et créer un avenir plus durable pour tous. En encourageant le dialogue et en sensibilisant le public, les films de Lamiro contribuent à un mouvement mondial croissant qui exige le changement. Son engagement envers la vérité et la justice a fait de lui un puissant défenseur de la protection de l'environnement. Grâce à son portrait sans faille du coût humain des catastrophes industrielles, Lamiro nous oblige à confronter notre propre complicité dans les systèmes qui perpétuent ces tragédies. Son travail nous rappelle constamment que nous avons tous un rôle à jouer dans la sauvegarde de la santé de notre planète et dans la garantie d'un avenir juste et équitable pour les générations à venir. Il nous incite à devenir des agents du changement, à exiger mieux de nos dirigeants et à œuvrer pour un monde où le profit ne se fait pas au détriment des personnes et de la planète. Les catastrophes industrielles laissent souvent derrière elles plus que de simples destructions physiques. Les conséquences environnementales à long terme peuvent être considérables et insidieuses, affectant les écosystèmes et la santé humaine pour les générations à venir. Ces impacts cachés, souvent négligés par les médias traditionnels, comprennent la contamination des sols et de l'eau, la pollution de l'air et le rejet de substances toxiques dans l'environnement. Comprendre toute l'étendue de ces conséquences est crucial pour développer des stratégies efficaces de prévention et de remédiation. L'un des aspects les plus insidieux des catastrophes industrielles est le rejet de polluants organiques persistants ou POP. Ces produits chimiques toxiques peuvent s'accumuler dans la chaîne alimentaire, posant de graves risques pour la santé humaine et la faune. Les POP peuvent causer toute une série de problèmes de santé, notamment le cancer, des troubles de la reproduction et des problèmes de développement. Les effets à long terme de l'exposition à ces produits chimiques sont souvent difficiles à quantifier, ce qui rend difficile la responsabilisation des parties responsables. De plus, les catastrophes industrielles peuvent perturber des écosystèmes fragiles, entraînant une perte de biodiversité et la destruction d'habitats. La contamination des sols et de l'eau peut avoir des effets dévastateurs sur la vie végétale et animale, perturbant le réseau complexe de la vie qui soutient ces écosystèmes. Les conséquences à long terme de ces perturbations peuvent être difficiles à prédire, mais elles peuvent avoir des impacts profonds sur la santé globale de la planète. Les coûts cachés des catastrophes industrielles s'étendent au-delà des conséquences immédiates. Les conséquences économiques et sociales peuvent persister pendant des décennies, affectant les communautés et entravant le développement durable. La perte de moyens de subsistance, le déplacement des populations et les impacts à long terme sur la santé peuvent imposer un fardeau important aux communautés touchées, exacerbant les inégalités existantes et entravant leur capacité à se rétablir. L'amiante, autrefois salué comme un matériau miracle, est maintenant reconnu comme un tueur silencieux, laissant derrière elle un héritage de maladies et de morts. Son utilisation généralisée dans la construction et la fabrication tout au long du XXe siècle a entraîné une crise sanitaire mondiale. Les maladies liées à l'amiante continuant de coûter la vie à des milliers de personnes chaque année. La longue période de latence de ces maladies rend difficile l'évaluation de l'étendue des dégâts,
mais le coût humain est indéniable. L'exposition aux fibres d'amiante peut entraîner une série de maladies débilitantes et mortelles, notamment le mésothélium, le cancer du poumon et l'asbestose. Ces maladies mettent souvent des décennies à se développer, ce qui rend difficile de les relier directement à une exposition passée à l'amiante. La nature insidieuse des maladies liées à l'amiante rend d'autant plus important de sensibiliser le public et de prévenir toute nouvelle exposition. Malgré les dangers connus de l'amiante, elle continue d'être utilisée dans certaines parties du monde, mettant en danger les populations vulnérables. L'absence de réglementation et d'application adéquate dans de nombreux pays permet à l'industrie de l'amiante de continuer à fonctionner, perpétuant le cycle d'exposition et de maladies. La coopération internationale est essentielle pour éliminer l'utilisation de l'amiante et protéger les travailleurs et les communautés de ses effets nocifs. L'héritage de l'amiante nous rappelle brutalement les conséquences à long terme de la négligence industrielle. L'incapacité à réglementer adéquatement l'utilisation de ce matériau dangereux a entraîné une crise sanitaire mondiale qui continue de se dérouler. Apprendre des erreurs du passé est crucial pour prévenir des tragédies similaires à l'avenir. Section 4. Déchets toxiques. Empoisonner notre planète, un dépotoir à la fois. L'élimination inadéquate des déchets toxiques constitue une menace importante pour la santé humaine et l'environnement. Des sous-produits industriels aux déchets électroniques, le volume de matières toxiques générées par notre société moderne est stupéfiant. Le manque d'installations d'élimination adéquates et le déversement illégal de déchets dangereux contaminent les sols et l'eau, empoisonnant les écosystèmes et mettant les communautés en danger. Les conséquences environnementales de la contamination par les déchets toxiques peuvent être dévastatrices. Les métaux lourds, les pesticides et autres substances dangereuses peuvent s'infiltrer dans les eaux souterraines, contaminant les sources d'eau potable et posant de graves risques pour la santé des humains et des animaux sauvages. Les effets à long terme de l'exposition à ces toxines peuvent inclure le cancer, des anomalies congénitales et des troubles neurologiques. Le problème des déchets toxiques est particulièrement aigu dans les pays en développement où des réglementations faibles et des ressources limitées rendent difficile la gestion sûre des matières dangereuses. Le déversement illégal de déchets toxiques des pays développés vers les pays en développement exacerbe le problème, déplaçant le fardeau de la pollution vers les populations vulnérables. La coopération internationale est essentielle pour relever ce défi mondial et garantir que tous les pays ont la capacité de gérer les déchets dangereux de manière responsable. La gestion irresponsable des déchets toxiques représente un manquement à la protection des générations futures. En contaminant notre planète avec des matières dangereuses, nous mettons en danger la santé et le bien-être de ceux qui hériteront de cet héritage de pollution. Une transition vers une économie circulaire où les déchets sont minimisés et les ressources réutilisées est essentielle pour faire face à cette crise croissante. Section 5. Le jeu des reproches. Responsabilité politique et économique. La responsabilité de la prévention et de l'atténuation des catastrophes industrielles incombe carrément aux gouvernements et aux industries. Les gouvernements ont le devoir de promulguer et d'appliquer des réglementations environnementales strictes qui protègent la santé publique et l'environnement. Cela comprend l'établissement de normes strictes pour les émissions industrielles, l'exigence d'une élimination sûre des déchets dangereux et la responsabilisation des pollueurs pour leurs actes. Les industries ont également la responsabilité d'opérer de manière durable et éthique. Cela signifie minimiser leur impact environnemental, investir dans des technologies plus propres et donner la priorité à la sécurité de leurs travailleurs et des communautés. La transparence et la responsabilité sont essentielles pour instaurer la confiance et garantir que les industries fonctionnent de manière responsable. Cependant, la recherche du profit l'emporte souvent sur les préoccupations environnementales. L'influence des puissantes entreprises sur les décisions politiques peut affaiblir les réglementations environnementales et permettre aux industries polluantes d'opérer en toute impunité. Cela crée un système d'incitation pervers où les profits sont prioritaires sur la santé de la planète et de ses habitants. Briser ce cycle de destruction environnementale nécessite un changement fondamental de nos systèmes économiques et politiques. Nous devons nous éloigner d'un modèle de croissance non durable qui privilégie le profit aux personnes et à la planète. Cela nécessite de tenir les entreprises responsables de leur impact environnemental et de donner aux communautés les moyens d'exiger un avenir plus propre et plus sain.
Section 6. Un appel à l'action. Protéger notre avenir. L'urgence de l'action climatique ne peut être surestimée. Les effets dévastateurs du changement climatique se font déjà sentir dans le monde entier, de l'élévation du niveau de la mer aux phénomènes météorologiques extrêmes. Les catastrophes industrielles, souvent exacerbées par le changement climatique, contribuent à cette crise mondiale, ce qui rend d'autant plus important de s'attaquer aux causes profondes de la dégradation de l'environnement. Protéger les populations vulnérables des impacts des catastrophes industrielles et du changement climatique est un impératif moral. Les communautés marginalisées sont souvent les plus touchées par les dommages environnementaux, bien qu'elles contribuent le moins au problème. Garantir la justice environnementale exige de donner la priorité aux besoins de ces communautés et de leur donner les moyens de participer au processus décisionnel. L'éducation et la sensibilisation sont essentielles pour promouvoir une culture de responsabilité environnementale. En comprenant l'interconnexion entre le bien-être humain et écologique, nous pouvons faire des choix éclairés qui protègent notre planète et les générations futures. Donner aux individus les moyens d'agir, que ce soit en plaidant pour des changements de politique ou en faisant des choix de vie durables, est essentiel pour créer un avenir plus durable. Le temps de la complaisance est révolu. Nous devons agir maintenant pour atténuer les impacts des catastrophes industrielles, lutter contre le changement climatique et protéger les populations vulnérables. En travaillant ensemble, nous pouvons créer un monde où la prospérité humaine et la durabilité environnementale vont de pair.